إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نعم، on est toujours donc l'iman ou le malaïka, la foi en ange, donc dans les anges, et on avait parlé donc la semaine passée, dans le dernier qu'on avait dit, Israfil et la Ghayri Dalik. Le dernier discours qu'on avait parlé sur l'ange, c'est-à-dire que les anges qu'Allah Azzawajal, quand il nous leur donne de croire, d'avoir foi à cette croyance, c'est-à-dire en ange, qu'il faut bien prendre ça en conséquence, que ça a une importance. Et on avait parlé donc la grandeur des anges et la quantité des anges qu'Allah Azzawajal a créés. Et aujourd'hui, on va parler, Inch'Allah, bi'idhnillah, de quelque chose qui est toujours la suite de ça. Un ange qu'on appelle aussi Ridwan. Ridwan, on dit Khazin al-Jannah, le gardien donc de paradis. Mais son nom là, Ridwan, c'est comme on avait dit Israfil, ceux-là qui disent qu'Israfil est celui qui va souffler dans la pompe, mais on n'a pas un hadith authentique, même si vous le trouvez dans beaucoup donc, d'ouvrages, de l'fiqh, de tafsir, de Ibn Kathir, de Ibn al-Qayyim, mais en réalité, au point de vue de donner les noms aux anges, on donne simplement les noms qui ont été rapportés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou alors dans le Coran. S'il n'y a pas donc d'authenticité de ce nom, on ne peut pas le dire qu'il s'appelle tel ou tel ou tel. Alors on a vu que Israfil, comme quoi ce n'est pas celui qui va souffler dans la trompe, il n'y a pas de délire pour ça, on appelle Sahib Sour, Sahib Sour, qui est la réalité. La même chose comme on dit pour Malak al-Maut, l'ange de la mort, et la même chose comme on dit parfois, les gens disent Israël. Il n'y a pas de Israël ou quoi que ce soit. Ici, on a encore un autre nom. Il faut bien inscrire dans tout ça ces noms-là parce qu'on les entend parfois dans les savons, donc les taureaux, etc. Comme hier, j'étais donc le vendredi. J'entendais aussi, c'est la même chose. Israfil va souffler dans la trompe, alors il a ramené des hadiths. Et ça, c'était montré malheureusement. C'est ça l'erreur fatale. On peut s'étonner parfois de dire pourquoi les gens, parfois, ils racontent donc des trucs comme ça qui ne sont pas authentiques. Mais imaginez-vous, comme hier, par exemple, j'étais dans la mosquée et j'entends le imam qui, dans le khutbah, premièrement, il appelle Israfil et tout d'un coup, il raconte une histoire qui n'est pas réelle, que Allah Azza wa Jal, il va dire à Israfil, qu'est-ce qui reste encore de vivant, il va dire, c'est moi, et Jibril, et Mikaïl, et le prophète Allah Azza wa Jalla va dire à Malak al-Maut, allez prendre l'âme de Jibril, etc. Toute cette histoire ne tient pas la route, elle n'est pas authentique. Ce qu'on va voir après peut-être dans le reste. Alors, automatiquement, on va s'étonner, donc on sait bien par exemple ce imam. Ce imam, pour faire son discours de vendredi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller, par exemple, s'il a l'internet, il va sur l'internet, il regarde un dars sur l'internet, il le prend, il le raconte. Il ne se donne pas la peine donc de vérifier tout ce qui a été dit, de le remettre dans les paroles de Ahl al-Hadith, les savants connus, donc de bien vérifier, ou surtout sont dans l'internet, on coupe beaucoup, on rajoute, on tourne, c'est un champ de bataille là-dedans. Ou alors, même s'il a une bibliothèque comme ça, ça lui prendrait par exemple 2 heures, 3 heures pour vérifier tout ça. Alors il ne se donne pas la peine, il dit bon, c'est un savant que je connais, renommé, ça y est, khalas, le poste il est là.
Et alors, il raconte une histoire comme ça en plein le vendredi, et la personne l'inscrit, va la raconter à ses enfants, ou ses enfants ils étaient avec. Et alors, c'est comme ça qu'on propage ce genre donc des hadiths. On peut se dire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de mal à raconter un hadith qu'Allah Azzawajal dit à Malak al-Maut, l'ange de la mort, qu'est-ce qu'il reste, etc. Qu'est-ce qu'il y a? Ça change quoi dans l'aqida? Ça change quoi dans le dogme? Dans ce discours, il n'y a pas de changement, ça ne ferait pas beaucoup de tort. Le seul tort que ça va faire, c'est donc de mentir sur Allah Azzawajal, de dire Allah il a dit à Mikaël, etc. Mikaël n'a rien dit. Ou de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'a pas dit. Deuxièmement, on ouvre la porte donc de n'importe qui raconte n'importe quel hadith, on le prend, on le transmet, et c'est là l'erreur fatale. Alors, quand vous entendez un hadith, même de moi, vous entendez un hadith, etc., etc., si vous avez un peu donc de connaissance, de science, d'aller voir sur l'internet, même sur, dans les bouquins, de vérifier tout ce qui a été dit. Et c'est comme ça qu'on apprend à être sûr et certain, hein, qu'on ne raconte pas tout ce qu'on entend. Alors, ce qu'on voit ici, Redouane, on a dit que Malik, c'est le gardien de l'enfer. Ça, c'est réel. Mais Redouane, ils disent que c'est le gardien de paradis. Alors ici, on voit bien qu'on les trouve aussi donc les livres de le faire, etc. On dit le khazin ou le khazana à l'Ifrad. Wa mashtahara min anna khazin al-janna ismuhu Redouane kama huwa mashhur lam yalid fihi dalil shar'i sahih. Ce qu'on attend comme quoi que le gardien donc de paradis s'appelle Redouane, il n'y a pas un hadith authentique dans tout ça. وقد اشتهر على ألسنة كثير من العلماء في تفاسيرهم وشروحهم لكتب الحديث ومنهم ابن القيم من ابن القيم. Alors vous voyez là, ça vous donne ici une réflexion. Ok? Imagine que toi, tu es simple étudiant, tu cherches la connaissance et tu vas sur l'internet ou dans un bouquin et tu dis Ibn al-Qayyim a dit Redouane le gardien de nos deux paradis. Tu fais quoi? Tu transmets. Ibn al-Qayyim, c'est qui Ibn al-Qayyim, hein? Eh bien non, il n'y en a pas. Il n'y a pas, il a dit Cheikh al-Albani, il a dit Cheikh al-Qayyim, il a dit Cheikh al-Uthaymin, il a dit, ça n'a rien à voir. Il faut l'authenticité de la chose. Maintenant, si je trouve par exemple Ibn al-Qayyim, il parle donc de Redouane. Qu'est-ce que je dois faire? C'est simple. Je sais donc qu'il y a des savants qui sont spécialistes dans le hadith. Ok? Je sais qu'il y a des divergences entre les savants dans tout domaine. Qu'est-ce que tu fais? Sur l'internet. Tu fais Redouane. Tu cherches sur l'ange Redouane. Pourquoi tu cherches ce même mot sur l'ange Redouane? Parce que tu auras toutes les paroles des savants. Ils vont en parler. Tu vas trouver beaucoup de savants qui parlent sur ce nom-là. Et là, tu vas trouver les savants de l'hadith. Qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Al-Albani, reconnu mondialement comme quoi, hein? Il corrige les hadiths. Même s'il a des erreurs, comme tout le monde. Qu'est-ce qu'il va dire Cheikh Al-Uthaymin de ça? Qu'est-ce qu'il va dire Cheikh Maqbul de tout ça? Qu'est-ce qu'il va dire les savants de maintenant? Et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il va dire Ibn Taymiyyah? De quoi il se base? Et là, tu auras tout à fait un bagage assez solide. Et de dire simplement, il l'a dit Ibn al-Qayyim, il l'a dit tel pal, tel savant, ça c'est... Mais surtout dans le hadith, dans l'authenticité du hadith, tu dois chercher celui qui corrige les hadiths. C'est-à-dire ceux-là qui sont connus mondialement dans le hadith. C'est quand on a posé, par exemple, quand il y avait Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, et Cheikh Al-Uthaymin et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il y a une discussion. Qu'est-ce qu'il a dit, Cheikh Ibn Baz? Si vous parlez de l'aqida, posez la question à Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, point de vue de l'aqida, de l'dogme. Si vous cherchez au point de vue de l'fiqh, jurisprudence, posez la question à Cheikh Al-Uthaymin. Si vous cherchez d'après l'authenticité du hadith, posez la question à Cheikh Al-Albani. Est-ce que Cheikh Al-Albani ne connaît rien de l'aqida? Non, il connaît dans l'aqida. Il ne connaît rien dans le fiqh? Non, il connaît dans le fiqh. Mais le plus calé,
plus solide dans le hadith. Est-ce que Cheikh Al-Uthaymin ne connaît pas le hadith? Si, Cheikh Mbaz connaît le hadith aussi. Est-ce qu'il n'a pas de connaissances sur le hadith? Il a des connaissances. Quand tu dis le hadith d'Aïd, mais le plus, c'est-à-dire solide, c'est dans son domaine là-dedans. Alors, il ne se fait pas simplement d'aller écouter le temps, et c'est ça, quand on a une discussion, par exemple, vous avez une discussion entre vous, hein, et toi tu vas dire, l'ange, le gardien de paradis s'appelle Ridouane. Et l'autre va te dire non, il s'appelle Ridouane, il ne s'appelle pas Ridouane. Là, vous allez discuter. Toi, tu vas dire, ah, venez prier, me l'a dit, qu'est-ce que tu connais, toi, etc. Et tout ça. Et lui, il va te dire, non, j'ai entendu dans un das. Il n'y a pas à discuter là-dedans. Une fois que toi, tu dis, qui s'appelle Ridouane, et que l'autre t'a dit non, alors on va chercher. On refait recherche, tous les deux. Donc, chaque fois qu'on sent qu'on a une divergence dans la discussion, on ne discute pas sans recherche. J'ai entendu simplement, t'as entendu, tu es convaincu de ça, tu es convaincu, mais il n'y a pas à discuter, à se chamailler là-dedans, mais on peut se donner un rendez-vous, de dire, tiens, tu cherches de ton côté, tu ramènes tout ce que tu as, et moi je vais chercher de mon côté, et voir après. Et comme ça, on a plus de bagages, plus de connaissances. Alors on voit bien ici, il te dit qu'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit dans Hadi al-Arwah, elle est bien connue, قد سمى الله سبحانه وتعالى parole d'Ibn al-Qayyim رحمه الله قد سمى الله سبحانه وتعالى كبير هذه الخزنة رضوان le chef donc de tous ces gardiens de paradis s'appelle رضوان وهو اسم مشتق من الرضا وسمى خازن النار مالكا وهو اسم مشتق من الملك وهو القوة والشدة voilà ce que Ibn al-Qayyim il dit. وقال الشيخ مصطفى العدوي في سلسلة التفسير أما ما جاء أن رضوان خازن الجنة فلا أعلم فيه خبرا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي مثلا ابن القيم بتروي صلي يتدي ك le chef des anges des gardiens de paradis s'appelle رضوان. Et encore il dit قد سمى الله سبحانه وتعالى. Il signe sur Allah Azza wa Jal. Car Allah a nommé le gardien de paradis, Ridouane. Ce qu'il a fait comme recherche, ce qu'il avait entre ses mains à ce moment la nuit, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, ou bien aussi se mettre dans son temps. Je ne parle pas l'ordinateur, il a Hasebat, etc. Ce qu'il avait comme bagage, comme livre, comme recherche, ce qu'il a devant lui. C'est un hadith qu'il ne voit pas, donc il n'a pas cherché dans le sénat de quoi que ce soit. Et d'ailleurs, ce n'est pas son domaine de chercher dans le sénat de l'Qayyim, rahimahullah. Mais là, on voit le Cheikh Mustafa al-Adawi, qu'est-ce qu'il dit dans Silsilat al-Tafsir, et tout ce qui a été rapporté sur le Ridouane, le gardien de paradis, il n'y a pas un hadith authentique qui a été rapporté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La même chose on trouve dans Fatwa al-Lajna al-Da'ima, hein, les savants du Fatwa en Arabie Saoudite. Il dit dans la question Har Ridwan Khazin al-Jannah, regarde comment on pose la question, les gens se posent la question. On leur pose la question à ces savants, est-ce que vraiment. Le gardien de paradis s'appelle Ridouane. Et s'il s'appelle Ridouane, écoutez bien ça, on peut trouver son nom cité par Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hal Ridouane khazin al-jannah wa ayna warad ismu? Question simple. Et c'est ce que j'essaie donc de vous communiquer maintenant dans ce chapitre ici. Comment réagir? Comment faire la recherche? Comment acquérir la connaissance, comment acquérir la science. Je ne sais pas, peut-être vous l'avez remarqué, quand les gens discutent, par exemple, on peut les trouver dans la rue même, dans la mosquée, discuter, et tu l'écoutes, ils parlent des choses qui ne tiennent pas à la route. Même ils te rapportent donc des savants, des noms de savants. Et malheureusement, celui qui ne se donne pas un temps pour cette recherche, automatiquement il va être égaré. Tu serais égaré par les gens, de te filier,
tout ça, égaré par les gens, donc de l'Murji'a, et ainsi de suite. Tu seras égaré de n'importe qui. Pourquoi? Parce que quand, par exemple, comme cela, les Tikfiriyin qu'on a ici à Bruxelles, pour Omran et tout ça, automatiquement, tu seras égaré. Le type, il est devant toi, il te ramène un verset de l'hadith, un verset de Ibn Kathir. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, imagine-toi que tu te mets en face de cette personne-là. Si tu n'as aucune connaissance, tu n'as pas de savoir, et peut-être tu ne sais même pas c'est qui ces gens-là. Et alors, il te ramène, il te dit, le verset dit tel hadith, tel ayah. Et alors, à ce moment-là, il te convaincu, comme des jeunes, tu dois partir en Syrie pour faire la guerre, pour faire le djihad, fils à Bilillah. Il peut même te convaincre, si tu restes là, tu commets un péché. Si tu meurs comme ça, tu as commis un péché. Et alors, il est capable de te déclarer le ça et te jeter. Donc, quand tu te trouves en Syrie, dans de bonne foi, parce qu'il a argumenté avec Qala Allah, Qala Rasul. Mais si tu as une connaissance, une science plus approfondie, donc, ou surtout des paroles des grands savants, reconnus mondialement. Et là, tu vas trouver que tout ce qui t'a raconté cette personne-là, c'est faux, archi faux. Par exemple, si tu prends le groupe maintenant, donc Bi'Omran, tout ça, les Tekfiriyin ou des autres, c'est des savants, ce n'est pas des savants. Même les imamas, même l'Arifi, Cheikh l'Arifi, lui aussi je crois qu'il a raconté quelque chose sur la série faux. C'est faux, archi faux. Archi faux. Mais pourquoi archi faux? C'est l'Arifi, il le dit. Ils te disent que tu es obligé, que tout jeune il est capable donc d'aller en Syrie, de faire ce djihad, fils à Billah, fardo aïn, etc. Il va te ramener la parole d'Ibn Taymiyyah, d'Ibn Kathir, etc. Il a dit Sachibru min ardi al-muslimin, wa hajaba alayka al-jihad, asbaha fardo aïn. Il va te ramener tous ces hadiths, on les connaît, ceux-là, des savants, des grands savants. Ibn Taymiyyah, il te dit c'est quelqu'un, un ennemi, prend un pas donc de ton. De ta terre, de musulman, tout musulman, il est obligé d'aller combattre. Mais si tu regardes, tu vas voir, tu poses la question, tu analyses. Cette personne qui me parle, est-ce que c'est un savant? Non. Une. Cette personne qui a ramené un verset du Coran et un hadith, il l'a traduit par qui? Il l'a traduit par Ibn Kathir, rahimahullah. Ibn Kathir, dans son explication, etc., est-ce que c'est une fatwa générale ou c'est une fatwa spécifique à un temps, un zaman, pour certains gens, etc., etc., etc. Alors, on dit à cette personne-là, celui que tu parles directement, premièrement, tu n'es pas un savant. Et dès que tu te trouves, il te explique le verset lui-même, un hadith du prophète lui-même, sans te ramener un savant du salaf, et que l'argument, ça correspond exactement au sujet de quoi on parle. Hein? Alors, à ce moment-là, une. La deuxième, c'est donc de savoir qu'est-ce qu'ils disent les savants reconnus mondialement. Dès qu'on dit le nom, c'est connu. Surtout sur des personnes qui ils font dans les taureaux, ils écoutent, etc. Est-ce que si je vous dis, par exemple, la majorité ici, est-ce que vous ne connaissez pas l'Arif? Si on le connaît. Vous ne connaissez pas le Corda? Si on le connaît. Vous ne connaissez pas Mohamed Hassan? Si on le connaît. Et ainsi de suite. Et on sait analyser entre ces savants, c'est qui. Alors, pourquoi j'ai sorti un petit peu de sujet? Parce que ici, on voit bien un hadith. Qu'il te dit que l'ange de le gardien de paradis s'appelle Ridouan. Et qu'il le dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah. Et tout d'un coup, on trouve Mustafa al-Adawi, il te dit non, il n'y a pas un hadith authentique que le gardien de paradis s'appelle Ridouan. Et c'est là, quand quelqu'un va te convaincre, il va te convaincre avec un savant, un hadith qui est daif.
Même un hadith authentique, ça ne veut rien dire. Malheureusement, il faut quand même parfois faire des doros sur ce sujet-là. Comment acquérir cette connaissance? Comment prendre les paroles des savants? Comment, c'est-à-dire, essayer de vérifier? Autrement, c'est pour ça qu'on trouve une majorité des jeunes qui n'ont aucune connaissance, ils sont en série, ils font la guerre. Et d'ailleurs, ils te disent, il est mort martyr. Premièrement, c'est une erreur fatale de dire telle personne est mort martyr. Rien d'imaginer, rien donc de comprendre l'erreur de dire par une personne qu'il est martyr. Ou une personne est au paradis. Rien d'entendre cette parole, tu dois savoir que celui-là c'est un ignorant. Ah, Mata Shahidan, Mata Shahidan. Qui vous a dit qu'il est mort, Mata Shahidan? Qu'est-ce que vous en savez, vous, qu'il est mort Shahidan? Vous avez rentré dans son cœur pour savoir de quoi il combattait, pour qui il combattait? Pourquoi il a fait ça? Par connaissance, par ignorance? On entend ça en Syrie maintenant dans. Ah, il est mort martyr en Syrie. Il n'est pas mort martyr en Syrie. Premièrement, on ne le sait pas. Son intention. On dit, on espère qu'il est mort. Oui, on espère. Mais de confirmer qu'il est shahid, parce que les morts sont un terrain de bataille, non? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans une bataille, il y en a un qui était vraiment courageux, un grand combattant, il a tué des mécréants, il était à devant donc des musulmans. Les musulmans, ils étaient contents de cette personne. Tellement il a fait un massacre dans les mécréants. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il le voit, il le regarde dans le combat. Et le prophète, il dit, si vous voulez voir quelqu'un, les gens de l'enfer, regardez-le, c'est lui. Les gens qui vont à l'enfer. Plein combat, plein de guerre. Et il fait son possible. Il est au devant des musulmans. Et le prophète, il dit, si vous voulez voir quelqu'un des gens de l'enfer, regardez-le. Un compagnon, il dit, c'est terrible. Alors il commence à le suivre. Hein, toujours à le servir. Comment il va faire celui-là? Et tellement il était dans la bataille, cette personne-là, il était blessé. Il n'arrive pas à supporter les douleurs de toutes ses blessures sur son corps, il a mis son sabre entre son cœur et il l'a enfoncé, il est sorti de son corps et il s'est fait suicider. Et la personne, il est revenu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je reconnais maintenant que tu es le messager d'Allah. Avant, le prophète dit, voilà la personne. Alors ici, on voit bien que dans tout ça, le nord est douane. Revenons au sujet, peut-être faire un das rien que pour ça, comment essayer donc de trier tout ça. Alors on voit bien que Ibn al-Qayyim rahimahullah, il rapporte, il dit « Qad samma Allah subhanahu wa ta'ala kabir hadihi al-khazana turidwan » Ibn al-Qayyim il dit « Allah azza wa jal a nommé le gardien de paradis Ridwan » où il a lu, où le hadith, et rien, on trouve rien. Peut-être il a un hadith, mais qui n'est pas authentique. Et Cheikh Mustafa Al-Adawi, dans Silsila Tafsir, il dit Ma amma ma ja'a anna ridwan khazin al-jannah, fala a'lam fihi khabaran sahihan an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas un hadith authentique comme quoi le gardien de paradis il s'appelle Ridwan. Comme on a dit la semaine passée, Serafil n'a pas un hadith authentique comme quoi Israfil, celui qui va souffler dans la trompe. Et dans le fatawa, dans la question du fatawa, l'ajnad da'ima, tu trouves ça. Hal Ridwan khazin al-jannah wa aina warida l'ism. Est-ce que Ridwan, l'ange Ridwan et le gardien du paradis, on peut trouver ce hadith? La réponse est celle-ci. Al-mashhur عند العلماء أن اسم خازن الجنة رضوان. Ce qui est propagé dans la majorité des savants des livres, comme quoi le gardien de paradis s'appelle Ridwan.
وجاء ذكره في بعض الأحاديث التي في ثبوتها نظر. A été rapporté dans certains hadiths, comme quoi il s'appelle Ridwan, mais dans ces hadiths, il y a des paroles des muhadithins comme quoi ils ne sont pas authentiques. فالصحيح أن ينسب كما جاء به الحديث الصحيح فيقال خازن الجنة أو خزنتها. Qu'est-ce qu'on trouve dans les hadiths authentiques? Qu'est-ce qu'on trouve dans le Coran, la parole de Allah? Est-ce qu'on trouve un nom de gardien de paradis? Est-ce qu'Allah Azzawajal a parlé de paradis? Oui. Est-ce qu'Allah Azzawajal a parlé de gardien de paradis? Oui. Mais il l'a appelé comment? Le gardien de paradis. Khazin al-Jannah. Il n'y a pas donc de ridwan dans le Coran, ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ici, « فالصحيح أن ينسب كما جاء في الحديث الصحيح فيقال خازن الجنة أو خزنتها كما يقال ملك الموت لأنه لم يتعين اسمه كذلك في الدليل الصحيح. » Alors, on va l'appeler le gardien de paradis, comme ça, ça a été rapporté dans les arguments authentiques, comme on dit l'ange de la mort, on n'appelle pas Azraïl, quoi que ce soit. قال الشيخ المحدث عبد الله السعد في شرح الأصول الثلاثة لم يثبت أن خازن الجنة اسمه رضوان. Il n'y a pas un hadith authentique comme quoi le gardien de paradis s'appelle Ridwan. Peut-être on va se dire mais c'est pas une grande importance de tout ça. Qui s'appelle Ridwan ou qui s'appelle Khazin, oui, le problème. Ça change rien. Une autre fois, ça change rien. Non, ça change absolument, absolument rien. Mais le problème que tu dis qu'Allah Azza wa Jal a nommé le gardien de paradis, Ridwan, où il l'a nommé Allah Azza wa Jal? Ou le prophète l'a dit, où il l'a dit? Ça c'est l'erreur. Et même si ce n'est pas une erreur ça, donc on se donne de propager les hadiths non authentiques et alors on se base sur des hadiths non authentiques. وقال الشيخ العث بن العثيمين رحمه الله ولا انكر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا انكر un autre savant رحمه الله dans le fatawa tome 3 وأما الرضوان فموكل بالجنة واسمه هذا ليس ثابتا ثبوتا واضحا qu'il dit رضوان c'est le gardien de paradis. Mais son nom n'est pas authentique. Kathubut Malik. Comme le nom Malik, le gardien de l'enfer, parce qu'il est venu dans le Coran comme ça. Lakinahu mashhur 'inda ahli al-'ilm bi hadha al-ism. Mais il a été propagé chez les gens de connaissance son nom-là. Alors là, qu'est-ce qu'on a, on va retenir de ça? Que ce n'est pas. Est-ce que le gardien du paradis s'appelle Ridwan ou il s'appelle Ridwan? Ou alors que l'ange de la mort il s'appelle Israël ou il ne s'appelle pas Israël? Ou que tel ange il s'appelle ça ou ça? Non, ce n'est pas ça. Le principal, c'est de ne pas propager un savoir, une connaissance qu'on n'est pas sûr et certain qu'elle est authentique. Alors, si vous regardez ici, rien que ça, je vous ai ramené plusieurs paroles donc des ulama. Et c'est comme ça que vous devrez faire la recherche pour avoir de la connaissance et de la science. Malak al-Maut. Malak al-Maut, voilà encore un ange qui s'appelle comment? Malak al-Maut, l'ange de la mort. وملك الموت الذي لم يذكر له اسم آخر في القرآن. Donc tout le Coran, il n'y a pas un autre nom qui a été donné ملك الموت que celle-ci. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. سورة السجدة 11 آية. Alors on voit bien qu'Allah Azza wa Jal, donc l'ange ici l'a appelé ملك الموت. Il ne l'a pas appelé Israël. Il n'y a pas de Israël ni dans le Coran ni dans la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré ça, on trouve dans nos discussions des Israël.
وقال الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على قول الطحاوي: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض الأرواح العالمي. Ici, الطحاوي dit qu'on croit à l'ange de la mort qui est Allah Azza wa Jal l'a désigné pour prendre les âmes des gens. قل, c'est-à-dire الشيخ الألباني رحمه الله, هذا هو اسمه في القرآن. Ça, c'est le nom qu'il porte dans le Coran, c'est-à-dire l'ange de la mort. وأما تسميته بعزرائيل كما هو شائع بين الناس فلا أصل له وإنما هو من الإسرائيليات. Par contre, de la dire Israël, ce n'est pas authentique, il n'y a pas un hadith qui dit ça, simplement c'est des paroles des Israéliens, des hadiths Israéliens. وقال الشيخ ابن عثيمين dans le Fatawa, tome 3, ملك الموت وقد اشتهر اسمه عزرائيل لكنه لم يصح. On l'appelle عزرائيل mais son nom là n'est pas authentique. إنما ورد هذا في آثار إسرائيلية لا توجب أن نؤمن بهذا الاسم. Il ne faut pas croire à son nom là. فنسمي من وكل بالموت بملك الموت كما سماه الله عز وجل في قوله قل يتوفاكم ملك. Alors nous autres, on l'appelle l'ange de la mort. C'est comme ça qu'il a nommé Allah Azza wa Jal. ولا يرمز المسلمون إلى الملائكة بأسمائه فقط احتراما لها بل يعظمونه ويسلمون عليه فيقولون على سبيل المثال سيدنا جبريل عليه السلام أو جبريل عليه السلام. Et les musulmans donnent une grande importance aux anges. C'est pour ça, quand on cite leur nom, on dit maintenant Jibril عليه السلام, Kaïl عليه السلام, comme on fait sur les prophètes. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه صكه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت قال فرد الله عليه عينه وقال ارجع إليه فقل له يضع يده على مثل ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة قال أي ربي ثم ما قال ثم الموت قال فالآن فسأل الله أن يدينه من الأرض المقدسة رمية بحجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتك من قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيف الأحمر والحديث في صحيح مسلم. Alors maintenant voilà encore quelque chose qu'on peut s'attarder un petit peu après qu'on a donné quelques directives comme comment prendre sa connaissance et son savoir. Ici, l'ange de la mort, Allah Azza wa Jal l'a envoyé à Moussa pour qu'il prenne son âme. L'ange de la mort vient chez Moussa. Il lui dit, Ajib Rabba. C'est-à-dire, je vais prendre ton âme. Et Moussa, alayhi salatu salam, lui a donné un coup de poing. Il lui a arraché un œil. Et l'ange de la mort, il repart vers Allah Azza wa Jal, il lui dit, tu m'as envoyé chez un de tes serviteurs qui n'aime pas la mort. Et Allah Azza wa Jal dit, ben retourne vers Moussa, il lui dit qu'il dépose sa main sur la peau d'une vache, et tout ce qu'il y a comme poil, c'est une année en plus qu'il va vivre. Imagine-toi quand tu déposes ta main comme ça sur le vrai, combien de poils qui t'as là. Chaque poil est l'équivalent d'un an que tu vas vivre. Effectivement, l'ange de la mort, il est revenu vers Moussa, il lui a dit ce qu'Allah Azza wa Jal lui a dit. Et Moussa lui pose la question, il dit, et après ça? Il dit, après ça, c'est la mort. Il dit, alors c'est maintenant, pourquoi je vais encore prolonger cette vie-là? J'ai envie de rencontrer Allah Azza wa Jal. Si c'est la mort, c'est maintenant alors. C'est pas éternel, non? Il dit, non, pas l'idée, je sais pas. Il a demandé à Allah Azza wa Jal qu'il le reproche donc de l'Maqdis, de côté donc de Palestine.
Et il est mort là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si j'étais là, je vais montrer sa tombe. C'est-à-dire, personne ne sait sa tombe, où est-ce qu'elle est. Tout ce qu'on voit, Moussa, il est là, la tombe là-bas, etc. Et tout ça, c'est des histoires simplement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si j'aurais été là, je vous aurais montré sa tombe, où il se trouve. Alors, ici encore un autre problème. On a vu dans le hadith, donc, de Redouane. Donc, qu'est-ce qu'on avait parlé? On avait parlé que ce n'est pas un hadith authentique. Et on trouve un hadith qui n'est pas authentique, propagé entre les hommes. Tout le monde en parle. Israël, 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 Israël. Et là, c'est le contraire. Un autre hadith, mais c'est un hadith authentique. Mais alors, un hadith authentique, mais que la Jodjot ici ne l'accepte pas. Encore un autre problème. Alors, vous entendez toujours dans mes discours, dans l'entrée, qu'est-ce que j'ai dit? Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna al-tiba'a wa arina al-batila batila warzuqna al-tiba'a. Ici, tu demandes à Allah Azza wa Jal de te montrer la vérité. Quand la vérité, elle est là, tu n'as pas à commencer à chicaner, oui, parce que c'est un autre monde, on vit difficilement. Allah, ça accepte, c'est tout la vérité. Tu peux pratiquer, pratique. Tu ne peux pas, tais-toi. Alors, ne cherche pas des excuses. Hein? Ne cherche pas des excuses. Allah, c'est la vérité? Oui. Ben alors, tais-toi. Non. Dès que tu lui ramènes quelque chose de vrai, oui, on sait, mais ça, c'était dans le temps, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait de la foi, il y avait du savon. Maintenant, tu sais, si tu ne fais pas comme ça, le travail, t'envoies quelque chose. C'est des histoires. Et toi, c'est la vérité? Oui. Mais c'est là pour toi. Tu peux la faire? Fais-la. Tu ne peux pas? Isole-toi avec Allah, azza wa jalla, et dis, oh Allah, aide-moi que je peux pratiquer ça. C'est tout. Il ne se fait pas. Des gens, parfois, ils disent, ah, on ne connaît pas la vérité, le savon. Et quand la vérité arrive, on le fait. Mais non, on ne le fait pas non plus. Pourquoi? Parce que c'est des gens de l'hawa, des plaisirs de ce moment. Et parfois, on trouve quelque chose qui n'est pas juste. Tu sais que ce n'est pas bon, c'est de l'égarement. Et alors, on n'arrive pas à s'éloigner. Alors, on demande à Allah Azza wa Jal de nous donner la force de s'éloigner de ce mal-là, puisqu'on a su que c'est le mal. Quand on te dit que la cigarette est haram, 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 ça ne commence pas à chicaner. Non, moi je ne fume qu'une par semaine. On ne t'a pas demandé combien tu fumes par semaine, un paquet ou deux paquets. On te dit que c'est haram, haram. Non, parce que j'ai essayé une fois, j'ai migré, j'allais mourir. Ah, la cigarette est haram. Ah, moi je ne bois pas d'alcool. Il faut dire à celui qui boit de l'alcool, il fume en même temps. Et alors, tu cherches des trucs comme ça. Alors, ici, on a un hadith. Imaginez ce hadith. L'ange de la mort interpelle Moussa alayhi salatu salam. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un messager. Moussa alayhi salatu salam. Et on a l'ange de la mort. L'ange de la mort parle avec Moussa, il dit, je vais prendre ton âme. Et Moussa, alayhi salatu salam, un coup de poing, et lui arrache l'œil. Qu'est-ce qu'on a dit dans le dos qui est passé? Quand, dans le hadith qui est passé, comme quoi Allah Azza wa Jalla, il dit que l'enfer, il y a combien d'anges qui le gardent? 19. Et le mécréant, le grand mécréant, le Valahab, qu'est-ce qu'il a dit? Il va les combattre. 10 contre 1, une trentaine, c'est tout. Chacun 10, c'est tout. Et l'autre dit, non, moi je vais éliminer les 19 complètement. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas la grandeur de ces anges, comme on avait dit. Là, ce n'est pas seul. Alors ici, la grandeur donc de l'ange de la mort,
et que Moussa alayhi salatu salam lui donne un coup de poing. Et que l'autre, l'ange de la mort, il n'a rien fait. Il retourne vers Allah Azza wa Jal. Il lui dit, Allah, tu m'as envoyé chez un de tes serviteurs. Il n'est pas la mort. Regarde ce qu'il m'a fait, il m'a arraché l'œil. Et Allah Azza wa Jal lui a remis l'œil. Il lui a dit, retourne vers Moussa. Et il lui pose ta main sur la peau d'une vache. Tout ce qu'il y a comme poil, c'est un an. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? On trouve que ce hadith, on va trouver beaucoup de gens qui parleraient de ce hadith, et le hadith dans Sahih Muslim. Rapportez ça à Al-Bukhari, dans les autres semaines. On va trouver ici, c'est le contraire. Dans le hadith qui n'est pas authentique, les gens l'ont pris khalas. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas à l'encontre de leur hawa. Ben, il s'appelle Redouane, oui, le problème. On dit Redouane, ça ne change rien. Est-ce que le cerveau, la raison, il y a quelque chose qui n'est pas donc logique d'appeler l'ange Redouane? Il n'y a pas de problème. Ben non, dis non, il y a un problème. Pourquoi te dis qu'Abba Zawjal l'a nommé Redouane? Où t'as trouvé ça? T'as lu ça? Nulle part. Ah, j'ai lu là. Mais les savants, ils te disent, c'est le hadith de l'autre, n'est pas authentique. Il y a telle personne dedans. Et si c'est le contraire, tu vas trouver les gens, ils vont te dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire si le hadith, de cette manière, comme quoi Moussa alayhi salatu salam frappe l'ange de la mort et lui arrache l'œil. Premièrement, le cerveau n'accepte pas ce genre d'histoire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de trouver la faille. Et à la fin, il va trouver quand même. Si le cerveau ne l'accepte pas, tu feras tout ton possible pour trouver une excuse. Effectivement, on va trouver beaucoup encore de savants et des ceux-là qui dénègrent Sahih Muslim, Sahih al-Bukhari, comme les chiites, les rawafid et tout ça. Il va te dire, voilà encore une histoire, on ne l'accepte pas parce que ce hadith ne peut pas être authentique. Pourquoi il ne peut pas être authentique? Ben parce que la raison ne peut pas accepter ce genre d'histoire, comme ça il a frappé. Alors, le rabbi, il y a beaucoup de choses, je ne vais pas vous expliquer ici, le hadith il est authentique. Les hadiths, les gens de hadith, comme on l'a dit, a été rapporté dans toute la chaîne de transmission, c'est des siqat. On dit un hadith authentique qui a été rapporté par un adil, dhabit, adil, dhabit, c'est-à-dire quelqu'un qui retient bien, quelqu'un qui est juste, qui ne ment jamais. Alors ce hadith, dans toute le sanad, il est comme ça. Alors le hadith a été rapporté par le Bukhari, ou Muslim, dans les Sahihain, ou Ahmed, وعبد الرزاق في مصنفه والنسائي في سننه والبغاوي في شرح السنة وابن جرير في تاريخه وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك على الصحيح وغيره. Je vais pas discuter sur quoi parce qu'il y avait une personne qui dans le champ de transmission c'était un chiite. Effectivement, il y a la chaîne d'une chaîne de transmission, il y avait un chiite, mais il y avait des autres chaînes de transmission. Et même ce chiite là. Il faut bien savoir, c'est ça l'Ahl Sunnah ou le Jama'a, que Al-Bukhari Muslim raconte un hadith sur quelqu'un qui avait comme croyance chiite. Il faut bien faire la distinction entre Shia, donc les Rawaf qu'on a maintenant, et certaines catégories de Shia. Ce chiite ici, il est connu chez les gens de l'hadith, ou les gens qui le disent, c'est quelqu'un qui était juste un grand savant. Et il ne ment pas. Ce n'est pas les chiites qu'on a maintenant, qu'il a le tourier, etc. Et en plus, ce hadith elle a été rapporté par des autres chaînes de transmission. En conclusion de tout ça, c'est quoi le shubha? Pourquoi on a essayé donc de dire que le hadith ne peut pas être authentique, hein? Sans rentrer dans toute l'explication de ce que les ulama ils ont dit sur ce hadith. وقال الحافظ عبد الغني المقدسي ونؤمن بأن ملك الموت أرسل إلى موسى ولا ينكره إلا ضال مبتدع أو ضعيف الرأي. Il dit nous autres on croit que
Allah Azzawajal a envoyé l'ange de la mort chez Moussa. Et personne ne nie ça, sauf c'est des groupes égarés ou alors celui-là qui suit son Mouhawa, ses plaisirs, c'est tout. Mais la question est celle-ci. كيف لموسى أن يقفى عين ملك الموت وقد جاءه بأمر الله؟ Comment Moussa عليه الصلاة والسلام arracherait l'œil de l'ange de la mort et c'est Allah qui l'a envoyé. C'est Allah, Moussa, il sait que c'est Allah Azza wa Jal qui l'a envoyé l'ange de la mort, il ne vient pas de lui-même. Al-Jawab min wujuh. La réponse sur cette shubha, sur cette ambiguïté, confusion. أولا تمثل الملك في صورة بشر l'ange de la mort il est venu chez Moussa comme ange ou comme personne comme personne la première confusion qu'on doit enlever dans la tête se pose la question l'ange de la mort quand il apparaît à Moussa il apparaît dans son aspect ange ou dans son aspect personne humaine. Eh bien oui, il est venu dans l'image de la personne humaine. Hein? N'importe qui va réagir de cette manière. Quelqu'un qui va dire je vais te tuer, il se met en face de toi, enfin, te défend. Et Moussa, c'est pas quelqu'un, vous connaissez l'histoire de Moussa, c'était quelqu'un, mashallah, il était fort. Vous avez vu dans l'histoire, celui-là qui lui a donné secours et qui l'a frappé, l'autre, simplement, il l'a tué. Tellement il était fort. Il ne se laisse pas aller. Moussa alayhi salatu salam. Première confusion qu'on doit retirer de notre cerveau, que tamathala al-malak fi surat bashar. Il est venu dans l'image du humain. Wa khafa'a halahu ala Moussa ja'alahu yudafi'u ala annahu gharib mu'tadil. Et Moussa, il a vu quelqu'un qui veut lui chercher de mal. Il ne le connaît même pas, il n'est même pas de village. Il lui dit, je vais prendre ton âme. Prépare-toi que tu vas mourir. Moussa, il va se défendre. وَتَمَثُّ الْمَلِكِ الْمَوْتِ فِي صُورَةِ بَشَرْ أَمْرٌ غَيْرٌ مُسْتَغْرَبٌ وَلَا مُمْتَنِعْ فَقَدْ دَلَّتْ نُصُوصُ الْقُرْآنِ وَالسُنَّةِ عَلَى ظُهُورِ الْمَلَائِكَةِ فِي صُورَةِ بَشَرْ Et que l'ange apparaît aux gens dans l'image d'un Bachar humain, c'est connu, on l'a lu dans le Coran, dans la Sunna, il y a beaucoup de versets qui parlent de ça. On va citer quelques-uns. وثبت في الكتاب والسنة أن الملائكة يتمثلون في صور الرجال وقد يراهم الناس ويظنون أنهم من بني آدم. Et on sait que les anges viennent parfois dans l'image des humains et que les humains croient qu'ils sont des humains. Comme l'histoire ici de Surat Ibrahim. Surat Ibrahim, donc l'histoire d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Hal ataka hadith dhayf Ibrahim al-mukramin. Oh Mohamed, tu connais l'histoire des dhuyuf, des invités d'Ibrahim? C'était des anges qui sont venus chez Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Ils dakhalu alayhi faqalu salam. Qala salam. Les anges sont partis chez Ibrahim, ils lui ont dit salam. Ibrahim, alayhi salatu wassalam, ils rendent le salut. قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين إبراهيم دي زيمان السلام عليكم وعليكم السلام دي جون كي سون فيني دو لوان اون لي كوني با اي إبراهيم il dit à son épouse fais à manger il ramène à manger فقربه إليهم قال ألا تأكلون il a déposé le manger et les anges ils mangent pas. Quand tu vois des personnes qui viennent de loin, tu leur déposes et qui disent on ne mange pas, là il a eu peur. Ibrahim alayhi salatu salam. C'est quoi ça? Ce n'est pas dans notre mentalité de refuser à manger. Et c'est de la viande. Il a fait spécial le manger. Ce n'est pas dans le diafa chez nous, dans l'islam, les gens comme ça qui disent salam alaikum, même si tu as mangé, même si tu n'as pas faim, même si tu n'aimes pas, tu fais quand même la main. Ils sont réitérés. On ne mange pas. Ibrahim, il voit deux personnes qui viennent de loin, ils voyagent, ils ne mangent pas, c'est quoi ça? C'est pas normal. Alors il a eu peur.
فأوجس منهم خيفة. Il a eu peur de à ce moment-là tout ce qu'ils veulent pas. Je vous présente à manger, je قالوا لا تخف وبشره بغلام عليم وبشروه عفوا بغلام عليم. Les anges, ils ont remarqué qu'Ibrahim alayhi salatu salam a eu peur aussi. Il dit non, n'aie pas peur. On vient t'annoncer une nouvelle que tu auras un enfant. فلو علم حالهم ابتداء لما وسمهم بالنكارة ولا قدم لهم طعاما ولا أوشك منه خيفة. Est-ce que Ibrahim ne sait pas que les anges ne mangent pas? Si, il sait que les anges ne mangent pas. Les anges ne mangent pas, ils ne vont pas à la toilette, mais rien du tout. Ils ne pleurent pas, ils ne rigolent pas, ils sont toujours dans l'adoration. Pourquoi à ce moment-là, Ibrahim, il a eu peur? Parce qu'il ne croit pas que c'est des anges. Ils sont venus dans les mages de tout le temps, de personne. Et Allah Azza wa Jal, dans une autre sourate, sourate Hud, il dit « وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِ ذَرَعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ » La même chose, les gens, quand ils sont venus chez Lot, alayhi salatu salam, lui, c'est là, il a peur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas, il ne les a pas reconnus comme des anges. La même chose dans sourate Maryam « فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحًا » فتمثل لها بشرا سويا. مريم عليه الصلاة والسلام كنت الله عز وجل أنبوي جبريل من اللي يبني دقوة دون اللي فهم يدي فتمثل لها بشرا إما مريم إلي يبير يدي جم بروتج كنت توا وبريد الله عز وجل كسي لونج وكذلك دون الاستوار كما ثبت عن عمر بن الخطاب قال بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منه لا ميم شوز عمر بن الخطاب ديون تي اشيش البروفيت صلى الله عليه وسلم اي بيرسون اي تي اريفي ابي ان بلون سي شيفو سون نوار اون لو كوني با سي كيفا سي جبريل عليه الصلاه والسلام. Imagine Jibril, il vient, humain, personne, avec des cheveux, des vêtements, habillés, tout ça. Il s'installe, il parle ta langue, il parle l'arabe, il te pose des questions. Et à la fin, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va leur dire « ثُمَّ انْتَلَقَ فَلَبَثَ مَلِيًا ثُمَّ قَالَ لِي يَا عُمَرْ أَتَدْرِ مَنِ السَّائِلِ » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Ya Omar, tu sais c'est qui a posé la question qui partait maintenant ?»« أَتَدْرِ مَنِ السَّائِلِ » قلت الله ورسوله أعلم مش سيبا سيكي فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم سي جبريل عليه الصلاة imagine que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit j'ai vu Jibril dans son image réelle il a caché tout le ciel et qu'il est à l'infini et alors tout d'un coup Jibril عليه الصلاة والسلام une personne عادي d'un mètre septante, simple, il marche simple, habillé simple, il se pose une lettre, il pose les questions simples. C'est Jibril alayhi salatu salam. Et c'est le prophète, il dit, c'est Jibril alayhi salatu salam, il vient vous apprendre votre religion. فمن خلال هذه النصوص نستطيع أن نجزم بأن الملائكة قد تظهر في سورة البشر. Alors, on est d'accord maintenant que les anges apparaissent dans l'image, dans de humains. On a vu avec Ibrahim alayhi salatu wassalam, il a eu peur des anges qui ne mangent pas. On a vu l'histoire, la même chose avec Maryam alayhi salatu wassalam, avec Jibril alayhi salatu wassalam. Et on voit ici Jibril encore avec les compagnons, ils ne savent pas que c'est un ange. Alors ici, puisqu'on sait ça, وأن أمرهم قد يخفى على الأنبياء أنفسهم. Et on sait qu'un ange peut être ne pas reconnu même par un prophète. Comme on a vu avec Lot et Ibrahim عليه الصلاة والسلام. Et on va voir c'est la même chose ce qui s'est passé avec Moussa عليه الصلاة والسلام. وبناء عليه فلا يستغرب أن يخفى حال ملك الموت على موسى كما خفي على غيره من الملائكة على إبراهيم ولوط ومريم وغيرهم. Alors, va reconnaître que Moussa n'a pas reconnu en ange de la mort qu'une personne simple qui vient lui dire « Je vais prendre ton âme. » C'est bon.
ومما يؤيد هذا ما يلي، ce qui renforce encore ça, حين لطم ملك الموت لم يكن يعرفه، وذلك لما في سياق الحديث، فإنه يدل على أن موسى جاءه في المرة الثانية وعرف أنه رسول من عند الله، لم يصنع به ما صنع في المرة الأولى. Et dans le hadith, on voit bien que l'ange de la mort est venu une deuxième fois. Et là, il est venu donc en ange. Et là, il l'a reconnu. Et là, il n'a pas eu donc à le frapper ou quoi que ce soit. Là, il pose la question. Et après, quand je vais vivre maintenant, combien il va dire, tu vas vivre autant. Il dit, ben alors, prends mon âme maintenant. Pourquoi il parle maintenant comme ça? Et dans la première, il l'a frappé. Parce que dans la première, il n'a pas reconnu. Dans la deuxième, il l'a bien reconnu. Il a accepté la mort. Ce n'est pas qu'il a peur de la mort. Hein? ولهذا يقول ابن حبان لو كانت المرة الأولى عرفه موسى أنه ملك الموت لاستعمل ما استعمل في المرة الأخرى عند تيقنه من علمه به. Alors ابن حبان on voit bien si Moussa il a reconnu l'ange de la mort donc à la première fois qu'il est venu il aurait fait avec lui comme il a fait à la deuxième fois. فموسى وجد رجلا يصول عليه ويقول له أجب ربك أجب ربك معناها سلم روحك يعني يريد أن يقتله فما كان من موسى إلا أن دفع عنه. Comme on a dit, que Moussa il a vu une personne simple, il lui dit, je vais prendre ton âme, et bien, il s'est défendu, il s'est protégé. Ici, on rapporte comme quoi, est-ce que Moussa, alayhi salatu wassalam, il a peur de la mort? Non, il n'avait pas peur de la mort, comme on le connaît, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le fameux hadith. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقلت يا نبي الله أكراهية الموت فكلنا هنا نكره الموت. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui déteste la rencontre d'Allah azzawajal, Allah azzawajal le déteste, celui qui aime la rencontre d'Allah azzawajal, et Aïcha a compris la mort, c'est-à-dire celui qui est dans les, celui qui aime la mort, Allah l'aimera, celui qui n'aime pas la mort, parce que la mort c'est quoi? C'est la rencontre avec Allah azzawajal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Aïcha dit, ben tous on n'aime pas la mort, et le prophète il dit, c'est pas de ça qu'on parle, celui qui n'aime pas la mort, c'est à la fin. C'est pas comme ça. C'est quand elle est en train de mourir. Quand elle est en train de mourir et voit les anges de l'enfer. Qu'est-ce qu'il aime à ce moment-là? Il aime ne pas mourir. Il n'aime pas la rencontre de son Seigneur. Car il sait bien qu'il va à l'enfer. C'est pour ça qu'Allah ne l'aime pas. Quand le musulman aimait, quand il est proche de la mort, il voit les anges de Rahman, les gens pleins de lumière. Alors il aime la rencontre d'Allah. Il sourit à ce moment-là. Et Allah l'accepte. C'est de là qu'on dit celui qui aime Allah, la rencontre d'Allah Azzawajal, c'est-à-dire à la fin quand la personne elle est en train de mourir. Ici, les savants ils disent ظهور ملك الموت عيانا لمن كان قبل موسى عليه السلام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ملك الموت كان يأتي الناس عيانا فأتى موسى بن عمران فلطمه موسى ففقع عينه فعرج ملك الموت فقال يا ربي إلى غير ذلك الحديث ولولا كرامته عليك لشققت عليه فقال الله أنت عبدي موسى فخيره بين أن يضع يده إلى غير ذلك الدي دون دي بار avant موسى l'ange de la mort apparaît comme ange de la mort mais après quand il a eu cette histoire de Moussa, il apparaît comme personne. Mais après cette histoire, donc avec Moussa, il apparaît plus dans cette image de personne pour prendre l'âme des gens. فأتاه فخيره فقال موسى فما بعد ذلك قال الموت قال فالآن إذا l'histoire comme quoi l'ange de la mort venu dans l'image donc de l'humain c'était avant Moussa alayhi salatu wassalam. فكان بعد ذلك يأتي الناس خفية.
Après, il apparaît plus, il prend l'âme, c'est tout. Dans Silsila Sahiha, هذا حديث صحيح كما لدى الشيخ الألباني رحمه الله على شرط مسلم ولم يخرجاه في المستدرك. هل ملك الموت أعوان من الملائكة؟ Est-ce que l'ange de la mort, est-ce que c'est lui qui prend les âmes de tout ce qu'il y a dans l'univers ou il y a des autres anges qui le font? قال تعالى الله عز وجل دي الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إلى غير ذلك الآية. Dans un autre verset, الله عز وجل دي قل يتوفاكم ملك الموت. C'est l'ange de la mort qui prend votre âme. الذي وكل بكم. Dans un autre verset du Coran, il dit Allah Azza wa Jal, wa huwa al-qahir fawqa ibadih, lui Allah le plus puissant sur ses serviteurs, wa yursilu alaykum hafazatan hatta idha jaa ahadukum al-maut tawaffathu rusuluna. Juste que quelqu'un il est arrivé son temps de mourir, Allah Azza, nos anges rusuluna, nos messagers prend leur âme, c'est en pluriel, wa hum la yufarritun, nos anges ne laisse personne quand il arrive son heure. وقال حتى إذا جاءتهم رسلنا en pluriel. Ce n'est plus l'ange de la mort tout seul, il y en a plusieurs. القرطبي dit والتوفي طارة يضاف إلى ملك الموت كما قال قل يتوفاكم ملك الموت. Dans le Coran parfois on dit الملك الموت c'est lui qui prend les âmes وطارة إلى الملائكة لأنهم يتلون ذلك كما في قوله حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. Et parfois en pluriel. وطارة إلى الله. Et parfois il appartient l'âme. Allah عز وجل comme dit الله يتوفى الأنفس حين موتها. C'est Allah qui prend les âmes quand l'heure est arrivée. Alors on trouve dans le Coran l'ange de la mort prend les âmes. Dans un autre verset les anges prennent leurs âmes. Dans un autre verset, Allah prend leurs âmes. On trouve plusieurs catégories. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إن ملك الموت له أعوان يعينونه على إخراج الروح من الجسد حتى يوصلوها إلى الحلقوم. فإذا أوصلوها إلى الحلقوم قوضها ملك الموت. Il dit qu'il y a des anges qui travaillent avec l'ange comme l'ange de l'enfer, le gardien. Il y a ceux-là qui sont avec lui, les anges donc de paradis, il y a un chef, il y a la même chose, donc Malak al-Maut, l'ange de la mort, il y en a qui ils sont avec lui, qui font ce travail. وقد أضاف الله تعالى الوفاة إلى نفسه وإلى رسله أي الملائكة وإلى ملك واحد ولا معارض بين هذه الآيات فإضافة الله إلى نفسه لأنه واقع بأمره وإضافة للملائكة لأنه أعوان الملك الموت وإضافة للملك الموت لأنه هو الذي تولى قبضها بين البدن انتهى شرح الممتع. Il dit, il n'y a pas donc de contradiction dans tout ça. Quand Allah عز وجل dans le Coran il dit c'est l'ange de la mort qui prend les âmes, dans un autre verset c'est les anges qui prend les âmes, dans un autre verset c'est Allah qui prend les âmes. Il dit il n'y a pas donc de contradiction avec tout ça. Quand Allah Azza wa Jal il dit que l'ange de la mort prend l'âme, c'est lui qui s'occupe de ça, mais par l'ordre d'Allah Azza wa Jal et par le vouloir d'Allah Azza wa Jal. Quand il dit les anges, car il y a des anges qui travaillent avec l'ange de la mort, et quand il le signe à lui-même, il dit Allah prend, car tout il travaille par le vouloir de Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas une âme qui peut sortir sans le vouloir de Allah Azza wa Jal. On a ktafu bi hadha al-qadr, inshallah, subhanahu wa ta'ala, bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum.